Bonjour et merci à tous les internautes, téléspectateurs, vous tous qui nous suivez de loin de près. On se retrouve ici au port, dites précisément là où le pont Kassa a été fondé. C'était depuis le mois d'octobre 2020. Et donc, on est là juste pour le tournage de notre émission. Bon, on est une population et souffre rapport à Katisa. On a Kolungwa centre, pour qu'il y ait des pour envoyer les Koya centre. Et bon, on est ma banque à PB par rapport à la souffrance, il y a population. Merci à vous tous. Je vous promets, le rendez-vous est là. Restez avec nous et vous allez voir comment l'ambiance va se passer. Comment Torokat qui s'appelle l'Oléka des populations sur Katisa. Mais pas si ni Liban à Congo, mais Zoumana Bana Tikawa précisément. Pourquoi Bakati s'appelle l'Oléka qui est en là. Je suis Yaris Kindalo, Mike Moulamba à la prise de vie et à bientôt la suite. Mushile, yeye, mushila chingile, tcha mwembwe. Gagambile gucha masangu ginu yangu budi geme. Mushila la be, mama kafa. Mushila la be wa mama, mama munyo. Gagambile mami, yanu mama na msangu. Gagambile mami, samba ya mama mwaila. Et comment la population continue, et par quel moyen que la population continue à traverser la rivière Kassai. On est là, justement là où le pont Kassai a été effondré. Et alors, on continue avec notre émission, chers internautes. Partout où vous retrouvez, partout où vous êtes en train de nous suivre. Et alors, voici l'ambiance et voici comment la population continue à souffrir. C'est comme ça, le tour, le vent est bien. Et nous, on arrive, et de l'autre côté, les gens rentrent. Allez, on continue. Jacques Matadie, vous badez mon amour, il n'y a pas de samba. Vous chiez la paix, on a la nanaga faire. Vous chiez la paix. Vamos chilenos la mewa dada, una gangunilea. Vamos chilenos la mewa dada.
prendre de l'autre côté, là au pont, au nouveau pont qu'on est en train d'ériger de l'autre côté, toujours sur la rivière Kasaï. C'est pas loin d'ici, c'est pas loin du pont effondré il y a quelques temps. Et maintenant, on sera de l'autre côté. Merci beaucoup d'être toujours avec nous. Merci de suivre cette ambiance. Et abonnez-vous, chers internautes, et partagez cette vidéo. L'érection du nouveau pont. Nous vous laissons maintenant le temps de voir et de contempler le travail réalisé par rapport au rendement et par rapport à l'évolution de ce pont, nouveau pont sur la rivière Kasaï. Allez, je vous laisse le temps de voir et de vivre l'ambiance, comment les activités continuent à se manifester. Mike Moulamba, on continue. Zenzu, 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 zenzu. Atu kapa akalo
Par rapport à ma entreprise, on a vraiment caché ça. On a discuté à quelques minutes. Après 6e mois, on peut espérer 7e mois, 8e mois, un peu plus tard. Parce qu'on peut permettre d'aller vivre ceux qui ont monté les appelades. Par rapport à ça, c'est ça. Quand ils ont dit, ils ont combien de mètres? Ils ont 160 mètres. 160, voilà. Et comment ils ont combien de tonnes? Je dis ici, la prochaine dernière année. La prochaine dernière année, ils ont pour l'instant 150 tonnes. Ça, c'est pour la première fois à la Kassai? Oui, pour la première fois à la Kassai. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Papa, bon,
Et puis, on a un peu de temps, il faut arrêter les forêts, après, il va gagner les coups. Abondé, la monnaie, puis on a cédé. C'est l'homme à Cholon de Gézala. C'est comme ça, c'est un bandit. C'est un bandit. C'est un nouveau modèle Japon et Salamana noté. Merci à tous les internautes. Vous avez remarqué sincèrement que nous sommes arrivés presque à la fin de notre tournée de l'émission. Et à ce qui concerne le pont, donc le pont en général, on a commencé avec les premiers ponts Kassai et Fondé il y a quelques temps. Et depuis l'année passée, où on a annoncé récemment qu'il y aura à bientôt le début de travaux. Mais ici aussi, en ce qui concerne le nouveau pont ici qu'on est en train d'ériger pour les deux collines, Kélé et Dibouma,
On nous rassure sincèrement qu'avant la fin du mois de juin, et sincèrement, tout sera déjà fini. Merci beaucoup à Mike Moulamba pour la prise de vue. Merci pour ce professionnalisme. Moi, c'est Deris Kidalo. Chers internautes, aimez la vidéo, abonnez-vous et partagez. Ça sera pour l'intérêt de la province. Ça sera pour nous encourager aussi à beaucoup de travail. Puisque nous nous sommes donnés pour rendre service, s'il y a des remarques, des suggestions, n'hésitez pas avec le même numéro qui apparaît à côté de votre écran, à côté de votre téléphone. Et vous allez donc nous écrire, nous laisser un message même sur WhatsApp. Ça nous permettra donc d'arranger le travail pour mieux faire davantage et à la longue pour qu'on puisse avoir encore ce souci de vous servir un peu une fois davantage. Merci beaucoup. Je ne sais pas si les âmes, mais les âmes déterminées aussi, ça m'a Merci beaucoup, merci.